Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce nail art papillon fluo à l'aide de mon pinceau de détail. Donc si le tuto vous intéresse, continuez à regarder. Je vais tout d'abord réaliser ma French. Donc j'ai déjà posé une base beige avant de chez Kiko. Donc pour ma French, je pose mon pinceau sur mon ongle et je fais rouler mon doigt. Mon pinceau ne bouge pas. Puis à l'aide d'un vieux pinceau, je vais venir redessiner les bords de ma French. Donc pour ce nail art, j'ai décidé de faire une French simple, toute basique, et je vais poser une deuxième couche de mon vernis blanc. Ensuite, je commence mon nail art, donc j'ai déjà matifié mon ongle auparavant. Donc avec mon pinceau de détail et de la peinture noire, je vais tout d'abord faire le corps du papillon. Donc j'essaye de le centrer, et c'est lui en fait qui va me servir de point de repère pour la suite de mon nail art. Ensuite, je fais les ailes. Donc pour ce nail art, tout repose sur la peinture. Il faut vraiment qu'elle soit assez diluée, pas trop non plus. Et c'est grâce à cela que vous réussirez en fait à faire des traits aussi fins. Ensuite, je fais les ailes du côté gauche de mon papillon. Donc j'essaye au maximum d'être symétrique avec le côté droit. Et je rectifie la longueur du corps du papillon si j'en ai le besoin. Ensuite, je commence à remplir mon papillon. Donc moi, j'ai choisi de le remplir de l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais petit à petit épaissir mes traits. Comme ça, au moins, voilà, je trouvais que c'était plus simple. Ensuite, je vais venir apporter un petit peu de couleur à mon papillon. Donc pour cela, je vais utiliser de la peinture blanche. Donc ici, je colorie la deuxième partie que j'avais laissée. Et je vais aussi prendre de la peinture rose néon. Et je vais cette fois-ci colorier la partie la plus haute et la plus basse de mon papillon. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. J'applique une couche de top coat. Et voilà, les papillons sont terminés. Pour les autres doigts, j'ai tout simplement fait un papillon avec ma peinture noire. En tout cas, j'espère que ce nail art vous aura plu. C'est vraiment un nail art de détail. Après, il suffit de dompter son pinceau et ça va tout seul. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour plus de photos et de nail art, je vous invite à passer sur mon blog. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.